Hop, 1, 2, et 3, et 4. Salut les gars et les meufs, c'est Doxra, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est très simple, je vais vous montrer ma vraie morning routine. Je sais que sur internet il y en a plein, mais toutes les filles en général elles se lèvent à 6h. Bref, moi c'est pas du tout ça, c'est vraiment ma morning routine chill et c'est en mode vacances. Donc si je me lève à 9h, ça commence à 9h quoi. Bref, en tout cas j'espère que vous allez kiffer. Juste avant que la vidéo commence les gars, lâchez votre pouce bleu et abonnez-vous. Sur ce, let's go. Bon, là c'est l'heure de se réveiller, mais moi je suis pas comme les autres. Clairement, il me faut 15 réveils pour me mettre debout. Et à chaque fois, au lieu d'arrêter l'alarme, je la décale. Bref, au bout de 30 minutes de galère dans mon lit, je me lève enfin, mais avec zéro motivation. Tous les matins, je remets en cause mon existence, hein. Moi je suis au bout de ma vie. Bref, petit rituel, je reste genre 15 minutes sur TikTok et tout. Tous les matins, je fais ça, c'est mauvais, mais je le fais. Ensuite, très important, le brossage de dents. Genre, moi je fais ça au réveil avec un peu d'eau sur le visage et hop, je suis prête à attaquer. Même s'il fait moche, faut ouvrir les volets et aérer. Perso, j'attaque le ménage dès le matin, comme ça après je suis chill, posée et à l'aise. Bon là, je galère avec ma couette là. Bref, après avoir galéré avec ma couette, j'ai réussi. Même s'il y a des bosses, on s'en fout. Et j'ai continué mon petit ménage, petit balai, etc. Donc là, dans mon sac, j'avais du linge propre à plier et à ranger. Franchement, je trouve ça satisfaisant à faire, genre moi j'aime trop, ça me dérange pas. Et c'est là que je réalise que j'ai quand même pas mal de vêtements. Hein. Ça, c'est un de mes t-shirts préférés. Regardez la petite danse et le petit tab à la fin. Putain, me dire. Et je me cringe moi-même, genre bref, j'ai envie de me foutre des tartes. Maintenant, je mets du linge sale que je vais mettre à laver. Et très important, comme un enfant, mon chien. Je vous jure que c'est comme un gosse, genre si jamais je le caresse pas, il pleure. Si jamais je lui dis pas bonjour, il boude frère, c'est trop. Sa tête là, c'est un petit démon, il faut pas croire. Bref, à ses petits yeux doux, j'ai capté qu'il voulait aller dehors, même s'il pleut beaucoup. C'est parti, j'emmène mes deux chiens dehors. Bon là, je crois qu'il vient de réaliser qu'en fait, il pleuvait vraiment beaucoup. J'ai envie de péter un plomb, c'est quoi cette température? Il est où mon été? Ça fait longtemps, j'attends pour ça là. Bref, moi et mes deux chiens, on allait sous la pluie, on a bien souffert. Après ça, on est bien rentré vite en courant même. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chien? Eh, il est trop excité, hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? En plus, je vais aller à la douche. Une récompense, tu veux? Oula, elle a entendu le mot. Récompense? Bon, là, j'avais oublié la récompense. Vous avez vu sa réaction. Bref, un petit café pour commencer la journée. Elle me dit, j'y connais ça, ma mère. Moi, je bois du Capri Sun. Frère, c'est meilleur. Ensuite, à 10h50, je pars à la douche et clairement, je prends ma meilleure douche. J'ai mis un outfit, on s'en bat la race, pull, jogging. On s'en fout, frère, il pleut, j'ai personne à voir. Bref, j'ai bien kiffé ma petite douche avec ma musique à fond. Maintenant que ma peau est propre, je passe à la skincare. Bon, moi, l'étape du nettoyant, en fait, je la fais sous la douche. Donc, je nettoie mon visage sous la douche avec ça. Et puis ensuite, je passe à ma petite crème. Franchement, c'est une dinguerie, je l'aime trop cette crème. Bon, par contre, ma skincare, je suis désolée, j'avoue, j'ai que 3 produits. Ou quand je me démaquille, 4. Bref, ensuite, là, je mets un petit baume au miel sur mes petites lèvres. Et voilà, ma skincare est terminée. Oui, c'est court, hein. Mais comment je me sens trop bien après une skincare, c'est fou. Ensuite, là, maintenant, je vais aller étendre le linge que j'ai mis à tourner quand j'étais à la douche. En vrai, faire les machines, moi, je kiffe. Genre l'odeur de la lessive, mama. Et puis, comme il pleut, bah, il n'y a pas de balcon, donc j'ai dû mettre un sèche-linge dans ma chambre. Ah, c'est galère. La petite transition, mais en vrai ça m'a pris 15 minutes MDR. On peut apercevoir à ma petite danse que bah, je suis contente d'avoir fini. Et mais je suis vraiment gênante en vrai. Après toutes les tâches ménagères, que tout est propre, on passe aux meilleures étapes selon moi. Le maquillage premièrement. Bon, il pleut, je vais rester chez moi, franchement. Petit maquillage léger, de la poudre, l'anti-cerne et un gloss, c'est tout. Et puis ensuite on passe à la coiffure, franchement j'avais pas trop d'inspi. J'ai juste fait une queue de cheval, mais c'était une galère avec mes gros cheveux. Carrément, j'avais des crampes dans les bras, j'en pouvais plus, je me bagarrais contre moi-même, c'est trop. Donc là actuellement il est midi 20 et franchement je vous jure j'ai trop la dalle parce que j'ai pas mangé. Le matin je mange jamais, je bois juste. Bon, je sais qu'il y a des morning routines plus productives avec le sport, etc. Moi franchement j'arrive pas le matin. En tout cas mettez un maximum de pouces bleus et dites-moi en commentaire si vous voulez. Mais je vais essayer de faire la morning routine challenge. Vous savez la fille qui se lève à 5h, qui fait son sport, du yoga. Je sais pas, elle va courir dans la nature lorsque tu vois il est 8h, il fait froid. Bref, en tout cas dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse et je vais essayer de le faire. Vous pouvez également venir sur Instagram doxra-du-bas où je partage mes aventures. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.